Salut les enfants! N'oubliez pas, Nuka World n'est plus ouvert que pendant quelques semaines en octobre! Venez donc nous voir une dernière fois avant de vous enfermer chez vous pour l'hiver, Capi et moi! Et n'oubliez pas d'apporter votre bouteille vide de Nuka Cola pour bénéficier d'une réduction de 15$ à l'entrée! Alors, grimpez vite à bord du Nuka Express et venez voir toute la famille Nuka tant que c'est encore possible. Le Nuka Express est accessible par le biais du centre de transit du Nuka World. Parking payant. Les tarifs sont susceptibles de changer en raison de la fin de saison. Nuka World, Nuka Express... Et tous les personnages de la famille Nuka Cola sont des marques déposées de Nuka Cola Corporation. Tant que cet endroit n'aura pas été sécurisé. Si je vois qui que ce soit enfreindre le protocole et entrer dans cette gare de transit avant qu'on soit prêt, je lui fais la peau. Accélérez le pas. Je veux qu'on fasse notre rapport aussi presque le plus vite possible. Allez pas me chercher. Bordel. Tu vas crever. T'entends? J'entends quelque chose.
Dieu! Merde! Oh, ils vont tous mourir! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Les pillards. C'est ça qu'il y a. Ces pourris ont enlevé ma famille. Il faut que vous m'aidiez. Je vous en supplie. Vous êtes dans un sale état. M'en parlez pas. Il y a quelque temps, on a croisé des marchands. Ils nous ont dit connaître un endroit sûr. Nuka World. Mais quand on est arrivé ici, en fait, c'était des pillards. Et ils nous mentaient depuis le début. J'ai réussi à m'enfuir. Mais ma femme et mon fils sont toujours là-bas. Je voulais trouver de l'aide pour retourner les délivrer. Mais j'avais pas prévu que je prendrais une balle. Nuka World fonctionne toujours ? Je me souviens de cet endroit. Je dirais pas ça. Il est dans un état déplorable, mais pour les pillards, c'est sûr que c'est génial. Des provisions en pagaille, de l'eau potable, des flingues. Oh, oh mon Dieu. J'aurais jamais dû partir. Laissez-moi d'abord vous aider. J'ai un steampack. Non, non, ça va aller. Gardez-le plutôt pour ma femme et mon fils, Lisa et Cody. J'insiste. J'en ai plus qu'assez. Prenez-le. Merde. Écoutez, vous avez pigé le truc. Je suis pas vraiment blessé, ok? J'en ai marre de jouer à ce jeu. C'est les pillards de Nuka World qui m'ont forcé. Ils attirent les gens et ils les tuent pour s'amuser. Mais je veux plus faire leur sale boulot. Et tant pis s'ils s'en prennent à moi. Pourquoi les aidez-vous? En plus de vouloir rester en vie. Disons qu'il n'y a pas que ma vie qui est en jeu. Si je fais pas ce qu'ils disent, les autres aussi sont en danger. Faut me comprendre. Si je dois choisir entre la vie des gens que j'aime et celle d'un inconnu... Laissez-moi vous aider. Je vais les trouver. Inutile de mettre votre vie en danger. C'est vrai. Faites attention, ce sera pas une partie de plaisir. Tenez, prenez ça. C'est le mot de passe du terminal de contrôle du monorail. Le moyen le plus rapide d'aller à Nuka World, c'est le Nuka Express. Mais je l'ai coupé pour faire croire plus facilement à mon histoire. C'est plus crédible si je dis que j'essaye de tenir les pillards à distance. Vous pourrez le remettre en route à l'aide du terminal, dans le bureau. Mais faites attention. Thank you.
Nuka Cola Corporation. Nous souhaitons la bienvenue à chacun d'entre vous à bord du monorail Nuka Express. Pour votre propre sécurité, merci de rester assis ou de vous tenir aux mains courantes lorsque le train est en marche. Si vous regardez sur la droite du monorail, vous pouvez observer le célèbre mont pétillant de Nuka World. Haut de plus de 100 mètres, le mont pétillant est la plus grande structure artificielle de Nuka World. Venez profiter de son restaurant panoramique 5 étoiles, le Grill du Mont Pétillant. Droit devant vous se dresse le cœur de Nuka World, Nuka Town, avec l'arène de Colacaps. Tiens, tiens. Regardez qui se pointe quand même alors qu'on lui a dit la vérité. Harvey a bien fait son boulot, on dirait. Je n'ai que quelques instants. Alors écoutez-moi bien. Je m'appelle Gage, porteur Gage. Et notre cher Harvey vous a pas vraiment dit toute la vérité. Vous avancez quand même tout droit dans la gueule du loup. Mais si jamais vous vous en sortez, j'ai une offre intéressante à vous faire. En attendant, amusez-vous et offrez-nous un bon spectacle. Je n'en manquerai pas une miette. Arrivons maintenant à la gare. Vérifiez que vous n'avez oublié ni bagages ni enfants avant de descendre du Nuka Express. Attention les indésirables préférés. Si vous avez embarqué, on dirait qu'on va avoir de la viande fraîche dans l'arène. Peut-être s'agit-il simplement d'un problème avec mes capteurs. Mais quelque chose ne tourne pas rond ici. C'est bloqué de l'autre côté. Thank you.
victime sait éviter les balles, on dirait. Heureusement qu'on a notre surprise en réserve pour elle. Victime est toujours en vie, mais ne désespérez pas, la reine lui réserve encore bien des surprises. Génial.
toutes les portes mènent à la mort, mais certaines plus vite que d'autres. J'espère que quelqu'un a apporté du Runaway, parce que le nom de l'équipe va se faire rôtir comme un écureuil à la broche. Ça y est. Madame se prend pour une vraie dure, hein? Mais la reine n'a pas encore fini avec elle. Génial. Dépêche un peu, peu importe ce qu'on fait, la reine nous rattrape toujours à la fin. Okay.
Je m'excuse pour les bruits étranges que j'émets actuellement. Ma nature mécanique, tout ça. Génial. Ridiculisée par un singe. Notre victime a sûrement connu des jours meilleurs, mais elle respire encore, malheureusement. C'est quoi ce bordel ? T'attends qu'on meurt de vieillesse ou quoi ?
peur de Kélias ou quoi? Vas-y, pauvre petite victime, respire un bon bol d'air frais, tant que tu peux encore. Thank you.
va avoir un vainqueur aujourd'hui. Il est temps de faire participer le public. Je résiste, hein. Bien. On se dépêche un peu, peu importe ce qu'on fait, la reine nous rattrape toujours à la fin. Ouais, boss. Pas trop tôt. Va m'éteindre cette putain d'alarme. Ok, je m'en occupe. Bon, alors, où est-ce que... Ah, voilà ma nouvelle victime. Bon, vous direz que ça va pas durer longtemps. Voilà comment ça fonctionne. Va t'équiper, rends-toi présentable et reviens ici. Uh-huh. Spectacle au cours duquel, avec cette armure, il peut y avoir qu'un seul gagnant. Moi. Si tu crois que ton armure assistée va t'aider, laisse-moi te dire que tu rêves. Ok, Gage. Laisse-la passer. Il
Quelque chose me dit que je vais me régaler. Le grand moment est arrivé. Et après une telle traversée... Ça y est. Ce massacre s'annonce absolument épique. Souvenez-vous, le record assuré contre Colter est toujours d'une minute et 37 secondes. Les gradins se remplissent. Écoutez-moi si vous voulez vous en servir. Je n'ai qu'une minute. Cherchez l'intercom mural. Je vais faire vite. Voilà une étude fascinante. Bon, on y va, oui ou non? Splendide motif d'éclaboussure. Ouais, je sais que vous êtes encore là. Ouais. Allez, on perd du temps, là. Vous avez des envies suicidaires ou quoi? Ah oui ou non? Vous avez des envies suicidaires ou quoi? Ouais, je sais que vous êtes encore là. Qui est-ce? Je suis celui qui va vous permettre de rester en vie. Alors écoutez-moi. C'est quoi ce putain d'endroit? Si vous vous en tirez en vie, je vous expliquerai tout. Vous voulez que je vous écoute? Parlez. Ok, ok. L'arène, c'est le petit péché mignon du grand Manitou. Nous, notre boulot, c'est d'y attirer qui on peut par tous les moyens possibles. Vous savez, ce mec, Harvey et sa famille, tout ça, c'était juste des conneries pour vous faire venir ici. Est-ce que sa petite histoire marche avec certaines personnes? Vous n'imaginez pas combien de gens il nous ramène avec. Les sentimentaux peuvent pas dire non, et je parle même pas des rapaces qui croient pouvoir s'enrichir en venant ici. C'est un menteur pathétique. J'ai tout de suite vu qu'il me menait en bateau. Peut-être, mais vous êtes quand même là. Alors vous allez devoir m'écouter. Et pourquoi je vous ferai confiance? Tout dépend de la valeur que vous accordez à votre peau, j'imagine. Ah ouais? Et qu'est-ce que vous avez à y gagner? C'est pas juste pour moi. On peut gagner gros tous les deux si vous réussissez votre coup. Allez-y, je vous écoute. Brave petite. Écoutez, si vous avez réussi à arriver jusque-là, c'est que vous savez vous débrouiller. Mais le combat qui vous attend est truqué. Vous savez, le grand Manitou Colter, son armure assistée est réglée de sorte à absorber la puissance du réseau électrique de l'arène. Ça le rend carrément invincible. Vos prédécesseurs ont tout essayé. Minigun, grenade, rien. Pas une égratignure. Vous commencez à piger ce que je veux vous dire? Et donc, comment je peux le battre? Vous voulez gagner? J'ai planqué une arme dans un casier. Allez la chercher. Un petit pistolet en plastique rouge, c'est ça? Tout à fait. Je l'ai déjà. Bien. Parce que c'est elle qui va vous permettre de bousiller Colter. Ouais, ouais, je sais de quoi ça a l'air. Vous allez devoir me faire confiance, ok? C'est une blague ou quoi? Non, c'est l'arme qu'il vous faut pour ce combat. Dès que l'eau touchera l'armure assistée à alimentation électrique de Colter, elle causera un court-circuit. Ça bousillera ses défenses et vous aurez le temps de lui infliger des dégâts avant qu'elle se recharge. Si vous le dégommez, je vous promets que ça vous paiera de tout le temps que vous avez passé dans l'arène. Vous êtes sûr de votre coup? Certain. Préparez-vous juste à l'éliminer une fois qu'il sera vulnérable. C'est comme si c'était fait. J'aime ce genre de discours. Bon allez, c'est l'heure. Je vais ouvrir la porte.
On se retrouve de l'autre côté. Gage. J'espère vraiment que tu sais ce que tu fais. Hé, t'as déjà parlé de ça. Elle a survécu à l'arène. Elle a été assez maligne pour suivre mes conseils et assez forte pour tuer Colter. Elle est exactement ce qu'il nous faut. Alors si on montrait plutôt un minimum de respect à notre nouveau chef, hein ? Elle sera respectée quand elle le méritera. On est d'accord. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Comme sur des roulettes. Vous vouliez vraiment tuer le grand Manitou ? Le tuer et l'écarter du pouvoir ? Quelle différence ça fait ?
Bon débarras et on n'en parle plus. Le plan a fonctionné. Ce type était un moins que rien. J'ai connu beaucoup plus coriace. Mon cul. Sans moi, on aurait pu vous ramasser à la petite cuillère. Je sais bien que vous comprenez pas ce qui se passe et que tout arrive bien trop vite. Mais vous devez m'écouter. Se débarrasser de Colter, c'était pas une décision prise à la légère. Ça faisait un moment que certains d'entre nous y pensaient. Maintenant qu'il est mort, la place de Grand Manitou est vacante. Et devinez quoi ? Vous venez d'en hériter. Tout ce que je vous demande, c'est de me faire confiance et de tenter le coup. Je vous jure que ça en vaut la peine. Disons juste que vous avez réussi à éveiller mon intérêt. Tant mieux. Alors écoutez-moi bien parce que j'ai des tas de trucs à vous dire. Il y a 3 gangs de pillards qui mènent la barque à New Coward. Les disciples, les opérateurs et la meute. Et oui, des fois que leurs noms vous suffisent pas pour le comprendre, ces types ne sont pas des pillards comme les autres. C'est tout sauf des enfants de cœur, même entre eux, à cause de Colter. Cet endroit est un baril de poudre qui n'attend qu'une seule chose, exploser. Au moindre faux pas, on aura un bain de sang sur les mains. Je crois que vous êtes capable de changer les choses et d'empêcher ces gangs de se déchirer. Pourquoi moi ? Vous ferez certainement plus l'affaire. On en reparlera plus tard. Maintenant, j'imagine que vous avez un paquet de questions à poser. Mais c'est pas l'endroit, ni le moment. Retrouvez-moi au fief du Grand Manitou, vos nouveaux quartiers. Le restaurant qui surplombe le Mont Pétillant. On pourra y causer. Je vais vous ouvrir la porte. Voilà. On va garder nos petites conversations pour nous, si ça vous dérange pas. Retrouvez-moi dans les quartiers. Si je le peux. On se fait vraiment chier depuis que Nisha a conclu cette alliance. J'aime pas trop faire ami-ami avec les autres. Depuis que vous êtes arrivés, vous faites cravacher sans interruption. Vous vous attendez à quoi ? On s'attend à un peu de gratitude. On s'assure que vous ayez assez à bouffer et à boire. Protège. Sans nous, vous seriez de la chair à ver de sang. Donc soit vous faites votre boulot pour les gagner. Les derniers chefs de meute, Mason les a couverts de poudre et de plumes. Peut-être que vous préféreriez être là dehors, seul et sans armes. Mais je vous déconseille de demander ce qu'il a. Bien le bonjour, jeune fille. Bienvenue à New Coworld. Je suis Nira, votre super guide d'information sur New Coworld. Est-ce votre première visite de New Coworld ? Je ne suis plus une jeune fille depuis longtemps. Vous savez, tout le monde dit ça. Pour nous, toute personne qui passe cette porte est un enfant dans l'âme. Avant que vous ne commenciez votre grandiose New Aventure, laissez-moi vous raconter... Erreur. Dysfonctionnement du système. T'as fini de me faire perdre mon temps, récupérateur pouilleux ? Parce que tu m'ennuies, et quand on m'ennuie, je vois rouge. Attendez. Qu'est-ce que vous venez de dire ? C'est quoi le problème, pauvre tâche ? On est trop défoncé pour comprendre le français ? Ou juste trop stupide ? Je crois que t'as très bien entendu. Système rétabli. Oups ! Pardon pour...
pour ce petit bug. Mes données indiquent une falsification non autorisée de mes sous-programmes de personnalité. Veuillez contacter un technicien de maintenance Nuka World dès que possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a falsifié vos données? J'aimerais pouvoir vous le dire. Le personnel appliqué ne correspondait à aucune entrée visuelle des employés de Nuka World. Heureusement, mes récepteurs audio ont enregistré toute la scène et j'ai soumis un enregistrement sur Holoband suivant les procédures de sécurité standard. Ne vous en faites pas. Même avec cet incident malheureux, je suis toujours opérationnel à plus de 61% de mes capacités nominales. Et comme j'allais le dire, j'ai un petit conseil pour vous aider à mettre à profit vos passionnantes aventures dans Nuka World. Assurez-vous de récupérer les médailles du parc au cours de votre visite de nos attractions. Il y a une récompense spéciale si vous obtenez une collection complète. Si vous avez des questions sur Nuka World, ce serait un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas, c'est toujours le bon moment pour un délicieux Nuka Cola rafraîchissant. J'aimerais en savoir plus sur les médailles du parc. Avec plaisir. Dans tout le parc, il y a des distributeurs qui vous donneront des médailles spéciales. Une fois la collection complète, il faut juste me les rapporter pour avoir une récompense spéciale. Où est-ce que je peux trouver ces distributeurs? Je vais vous donner un indice. Vous devrez vous rendre dans les manèges et attractions les plus populaires pour le trouver. Aviez-vous d'autres questions? Pas de questions pour le moment. Dans ce cas, merci pour... erreur. Dysfonctionnement du système. Tu es encore là? Dégage, misérable fouille merde. Système rétabli. Passez une excellente journée. Que je comprenne bien. Une bonne femme réchappe de la reine. Vous n'avez rien vu qui sortirait de l'ordinaire ici, hein? Peut-être quelque chose de caché, de la forme d'une capsule de bouteille? Je croyais qu'on vous avait dit de rester au marché. Si vous voulez quelque chose, vous le trouverez là-bas comme tout le monde. Je m'en fiche de votre marché. Je n'ai pas parcouru des centaines de kilomètres pour faire les courses. J'imagine que t'es pas venu non plus pour te prendre une balle dans le crâne. Si tu veux vivre, je te conseille de rester à ta place. Pour l'hospitalité, on repassera. Nuka World! J'ai toujours voulu venir ici et mon rêve est enfin devenu réalité. C'est un endroit incroyable, vous trouvez pas? Qu'est-ce qu'il a d'incroyable? Quelle question! Regardez autour de vous, vous voyez pas? On imagine facilement les enfants, heureux et souriants, en train de boire du Nuka Cola et de s'amuser comme des fous. Ça devait être magique. Je m'appelle Syra Petrovita. J'ai fait le voyage depuis les terres désolées de la capitale pour visiter ce parc. Vous avez peut-être entendu parler de mon musée du Nuka Cola? Vous avez monté un musée du Nuka Cola? Ouais. Ça fait des années que je collectionne tous les produits en rapport avec le Nuka Cola que je peux trouver. Ils sont exposés chez moi dans un village appelé Girdershade. Je propose des visites à tous les gens de passage. Et je vous garantis que vous ne trouverez aucune collection comme la mienne dans les terres désolées de la capitale, le Commonwealth ou nulle part ailleurs. Enfin, bref, je resterai bien discuter, mais je dois reprendre mes recherches. Qu'est-ce que vous cherchez? J'ai pas vraiment envie de vous le dire. Rien de personnel, c'est juste que je vous connais pas assez pour vous faire confiance. Désolée. Je garderai votre secret. Vous pouvez me faire confiance. Bon, d'accord. À vrai dire, je suis tellement excitée que j'ai du mal à garder ça pour moi. Ça va me soulager de pouvoir enfin en parler à quelqu'un. Je pense qu'on peut me considérer comme la plus grande fan de Nuka Cola au monde. C'est ma passion depuis que j'en ai bu pour la première fois. Je collectionne tous les produits dérivés que je trouve. Comme ces super lunettes Capi. Mais ce ne sont pas des lunettes de soleil ordinaires. Elles faisaient partie d'un concours génial qui a commencé juste avant la guerre. Le gagnant de ce concours aurait eu la chance de rencontrer John Caleb Brad Burton en personne. Brad Burton, je me souviens de ce nom. C'est l'inventeur du Nuka Cola, non? Tout juste! Vous m'épatez, dites donc. Il n'y a plus beaucoup de gens qui le savent. Donc, pour remporter le concours, il fallait trouver 10 images de Capi, la mascotte de Nuka Cola, cachée dans le parc. Sur chacune de ces images se trouve un code ou quelque chose comme ça, que seules ces lunettes spéciales peuvent révéler.
Oui, je sais ce que vous pensez. Brad Burton est mort depuis longtemps. Ce concours n'a plus aucun intérêt. Mais je suis prête à parier que son bureau renferme toujours la formule originale du New Coca-Cola. Cette formule était l'un des plus grands mystères du monde des sodas. Ce serait le plus beau fleuron de ma collection si je pouvais mettre la main dessus. Si vous voulez bien m'aider, je vous promets que ça en vaudrait la peine. Pourquoi pas? J'en apprendrai peut-être plus sur le parc par la même occasion. C'est vrai? Vous êtes nouveau ici, après tout. Vous auriez intérêt à rassembler un maximum d'informations. Je vais vous donner mes lunettes Capi et ce vieux prospectus du concours. Il donne des indications sur l'emplacement des images cachées. Notez les indices que vous trouverez au fur et à mesure et revenez me voir quand vous les aurez tous. J'en connais un rayon sur le New Coca-Cola, donc je n'aurai certainement aucun mal à les déchiffrer. Bonne chasse! Nisha n'a qu'une seule règle, en fin de compte. Faut jamais se faire prendre. Bienvenue chez vous, chef. C'est chez vous, ici, maintenant. J'espère que vous aimez la déco. Colter avait des goûts un peu particuliers, mais la vue n'est pas dégueu. Maintenant que vous êtes aux commandes, vous avez le contrôle de tout ce que vous voyez là. Je comprends toujours pas. Pourquoi vous m'avez demandé de prendre les commandes? Au cas où vous auriez pas remarqué, le grand Manitou d'avant, Colter, était un sacré trou de balle. Et je suis gentil. Vers la fin, c'était carrément devenu une menace pour toute l'opération. Faut pas oublier que vous avez survécu à l'arène. Ça veut dire que vous avez ce qu'il faut. Ou le potentiel, en tout cas. Ça fait un moment qu'on a besoin de quelqu'un qui fait le boulot. Avec des vrais progrès. Ça me plaît bien, cette idée. Je m'en doutais. Écoutez, je vais être franc avec vous. Pour sauver cette opération, il faut que quelqu'un en prenne les commandes. Mais une chose est sûre, ce sera pas moi. Je suis pas un meneur d'hommes. Et certains m'en veulent déjà d'avoir soutenu Colter pendant tout ce temps. Je serai plus utile en aidant le nouveau grand Manitou à faire rentrer les choses dans l'ordre. Pigé ? Quel genre de talent pensez-vous avoir, Gage ? À part être un bon tireur et avoir une grande gueule, ça fait des années que je traîne avec des gangs. Je sais comment les pillards pensent, ce qu'ils veulent, et comment utiliser ça à notre avantage. Croyez-moi, je suis aussi impliqué que vous dans ce bordel. Faut que ça marche. Pigé, Gage. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'un seul coup. Faut prendre un peu de recul pour avoir une meilleure vue d'ensemble, d'accord? New Car World, putain, ça c'était le rêve. Immense, construit comme une putain de forteresse. Si vous arrivez à le faire tourner, le monde entier vous appartiendra. On a fait le plus dur. C'était un putain d'exploit d'arriver à faire bosser ensemble les disciples, les opérateurs et la meute. Mais on a réussi. C'était il y a un an à peu près. On a défoncé la porte principale, on a pris New Car Town et on a mis ses marchands en laisse. Et là... Disons que Colter a commencé à se tourner les pouces. Il était trop heureux de rester à rien foutre. Il a même pas essayé de prendre le reste du parc. Les gangs ont commencé à s'impatienter, à se chercher des noises entre eux. C'était vraiment... Et c'est encore un sacré bordel. Dans quoi est-ce que je suis en train de me fourrer ? Au début, c'était que des broutilles. Des gars qui s'échauffaient, quelques discussions houleuses, deux ou trois coups de feu. Mais ça a empiré au fil du temps. Les gangs ont commencé à s'approprier autant de territoires que possible. Ils étaient les uns sur les autres, ils cherchaient des excuses pour s'attaquer. Si on ne fait rien pour calmer les choses, ça va dégénérer jusqu'au point de non-retour. Je peux y arriver. Je peux arranger les choses. Ah ouais? Bah franchement, j'espère. Je crois que j'ai entendu parler de vous, en fait. Vous êtes une grosse tête de la confrérie de l'acier, c'est ça? Ils sont pas tellement différents d'un gang de pillards, si vous voulez mon avis. Mais ça reste une belle bande de voleurs. Je connais les gangs comme personne. Ça fait des années que je me bats avec ou contre eux. Je vous aiderai, ok? Je vous expliquerai tout. La première chose à faire,
C'est d'amadoué les gangs. Sans leur soutien, vous en foutrez pas une. On vous demande pas de leur faire confiance. Merde, on vous demande même pas de les aimer. Il faut juste qu'ils vous respectent assez pour vous suivre. Vous savez comment je pourrais m'y prendre ? Ouais, d'accord. Les disciples aiment la violence. Plus c'est sanglant, mieux c'est. Dites-leur que ça va pas manquer. Les opérateurs sont surtout intéressés par l'argent. Si vous leur promettez des capsules, ils vous écouteront. La meute, je sais pas. Ils suivent toujours le plus fort. Montrez les dents, peut-être que ça marche. Vous en faites pas pour moi. Tout le monde m'adore. Moi, je compterais pas trop là-dessus si j'étais vous. Techniquement, vous êtes déjà le nouveau grand Manitou. Donc, bon, vous avez fait le plus dur, on va dire. Faut aller voir leur chef. Parlez-leur, jouez un peu de vos muscles. Montrez-leur que vous êtes pas là pour plaisanter. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Après, on se prépare à mettre la main sur le reste de New Car World. Mais chaque chose en son temps. Alors, vous en êtes ? Allez, on s'y met. Ouais, c'est ce que je voulais entendre. Faut juste leur montrer que vous êtes la femme de la situation. Si vous avez besoin de moi, je serai ici. Vous êtes le grand Manitou que je sache. Juste, faites pas tout foirer.